Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire ces mignons petits chaussons. Donc ils sont réalisables en toutes les tailles, que ce soit pour bébés, pour jeunes enfants ou adultes. Tout est possible du moment que vous avez les mesures qu'il faut. Donc pour cela, nous avons besoin d'un peu de laine, d'un crochet. Donc le crochet, tout dépend de la laine que vous allez prendre. Moi, c'est du 3. De repères, d'une petite aiguille à laine, quelques épingles, un ciseau, un petit peu de laine blanche également, mais également de la noire et de la rose ou de haute pour faire les petites oreilles et le petit nez. Voilà. Pour la réalisation de ce petit chausson, il va falloir prendre des mesures. Donc ces mesures, vous les prenez soit sur l'enfant ou l'adulte que vous voulez faire, ou bien simplement sur un chausson ou une petite chaussure que vous avez. Donc il nous faudra prendre les mesures de la circonférence du mollet. Et c'est cette mesure-là qui sera notre départ. Car celle-ci, on va prendre tant de mesures et on fera les mailles de départ, les mailles chaînettes sur cette mesure-là. Ensuite, il faudra prendre la hauteur du revers, hop, en descendant un tout petit peu jusque là. Donc n'oubliez pas que là c'est doublé. Voilà, ça va s'arrêter par là, à peu près. Ensuite, il nous faut prendre la mesure du pied tout le tour jusqu'en dessous. Voilà, et on remonte un petit peu parce que ça va remonter à peu près par là. Donc ça fera la mesure de la longueur. Et la mesure de la largeur du pied, donc du milieu à peu près du pied, jusque de l'autre côté, mais qui normalement doit correspondre à la moitié de la longueur de celle-ci. Voilà. Et c'est tout. Et avec ceci, vous pouvez construire votre petit chausson. J'ai fait cette vidéo en taille 2-3 ans. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez la faire en toutes les tailles. Pour la taille de 3 ans, nous allons monter 41 mailles chaînettes. Donc on va commencer. On fait attention de ne pas tourner notre chaînette. 21, 22, 3, 4, 7, 8, 9, 40 et 41. Donc on va faire une maille coulée dans la première maille qu'on a fait, en faisant bien attention de ne pas tourner notre chaînette. Hop. Je pique dans la première. Voilà, je vais chercher ma maille, mon fil, je passe à travers et à travers pour faire la maille coulée. Voilà, j'ai bien ma chaînette. Je fais deux mailles en l'air, deux, et là tout le long on va faire des demi-brides, donc 40, puisqu'on a déjà les deux mailles en l'air qui comptent pour une. Alors je fais un jeté. Je pique dans la maille suivante, je ressors mon fil et je passe à travers les trois mailles. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ressors mon fil, je passe à travers les trois mailles. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ressors mon fil. J'en ai 3 sur mon crochet, je passe à travers les 3. Un jeté,
Je ressors mon film, je passe à travers les trois, tout le long, jusqu'à en avoir 40 plus 41 avec nos deux mailles en l'air. On se retrouve après. Je reviens, on finit notre rang de demi-bride. Donc je pique à travers la maille suivante. Je passe le fil, je passe à travers les trois. Et dans la dernière maille, à travers la maille, je ressors le fil et à travers les trois. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait du début. Donc la première, la deuxième, je pique, je ressors mon fil et je passe à travers ma maille et voilà ma maille coulée. Donc on va refaire deux mailles en l'air pour commencer notre rang. Une, deux. Tout le long, on va refaire des demi-brides, mais seulement à travers une seule maille. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les deux comme celle-ci, comme on fait d'habitude, on va prendre uniquement le brin arrière. Voilà. Donc je fais un jeté pour faire ma demi-bride. Je pique à travers un seul brin, celui de l'arrière. Je ressors mon fil. On voit bien qu'on n'a qu'un seul brin là. Et je passe à travers les trois. Je fais pareil pour la maille suivante. Un jeté, je pique à travers un brin, je ressors mon fil et je passe à travers les trois. Un jeté, je pique à travers un brin, je ressors mon fil, je passe à travers les trois. Un jeté, je pique sur le brin arrière, je ressors mon fil, je passe à travers les trois. Un jeté, je pique sur le bras arrière, je ressors mon fil, je passe à travers les trois, etc. jusqu'à finir le rang. Je montre encore deux, trois, un jeté, hop, un jeté, on pique dans le brin, et je ressors. Je pique à travers le brin et je ressors. Et ça, on va le faire tout le long. Donc ça va donner quelque chose comme ça pour pouvoir faire, hop, ceci, les petites vagues là qu'on voit là. Voilà, tout le long. Donc on va faire un rang de petites vagues. Donc mon demi-bride, et je passe à travers les trois, uniquement sur le brin arrière. Donc, on se retrouve après. On finit notre rang de demi-bride. Donc il faut faire attention, quand on va piquer, on pique bien sur le brin arrière qui est là. On ne va pas chercher celui qui est tout derrière là, celui-là ce n'est pas un brin. Donc, on pique bien sur celui-là. Pas le premier. On pique dans le deuxième. Sur le brin arrière. Là, on a fini notre rang. Donc, on va refaire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait du début. Donc, une. 2, je pique dans la deuxième, je ressors mon fil pour faire ma maille coulée à travers la maille. Et voilà. Donc là, on a fait notre deuxième rang. Maintenant, tous les autres rangs, on va les faire pareil que celui qu'on vient de faire. Donc tout le long jusqu'à en avoir 20 au total. 20 rangs au total. Donc je recommence, 2 mailles en l'air. 1, 2,
pour ma première demi-bride. Je tourne mon fil. Je vais dans le brin arrière de la maille suivante. Là, je ressors mon fil. Je passe à travers les trois. Donc un jeté sur le brin arrière. Je ressors mon fil à travers les trois. Un jeté sur le brin arrière. Je ressors mon fil à travers les trois. Un jeté sur le brin arrière. Hop. Le brin arrière à travers les trois. Etc. Etc. Jusqu'à finir notre rang. Quand on finit notre rang, on refait pareil. Une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et on recommence le rang suivant avec deux mailles en l'air. Et les demi-brides sur le brin arrière. Donc on se retrouve quand on a fini nos 20 rangs. On arrive à la fin de nos rangs. Donc je vais finir mon dernier rang. Je le termine par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait au début. Voilà. Ensuite, je le retourne comme ça pour avoir la maille là vers le milieu. Voilà. Et je vais mettre deux petits repères comme ça. Vous mettez cela comme ça ou ce que vous avez. De chaque côté, un là et un là. Donc je vais en mettre un là. J'ai bien plié en deux. Voilà. Et un de l'autre côté. Voilà. Donc je vais calculer combien j'ai de mailles. De là à là. Et de là à là pour avoir le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc de l'autre côté, il faut que j'en ai 11 aussi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11. C'est nickel. Donc je reprends ma maille. Et je vais faire de là jusqu'à mon premier marqueur des mailles coulées, toujours sur le brin arrière. Je prends le fil, je passe travers ma boucle sans faire de jeté, sans rien, juste des mailles coulées sur le brin arrière. Je prends le fil, je passe à travers ma boucle, je vais chercher le fil à travers ma boucle et ça jusqu'à mon marqueur. Celle du marqueur, je vais ôter mon marqueur et je vais terminer par une maille coulée. J'ôte mon marqueur pas qu'il nous gêne et je fais une maille coulée là où il y avait le marqueur. Voilà. Maintenant on va travailler en aller-retour. Donc je vais faire deux mailles en l'air et on va faire des demi-brides jusqu'au marqueur suivant. Donc celui-là, le dernier qui nous reste. Donc tout le long, on va faire des demi-brides. Toujours sur le brin arrière. Donc on arrive au dernier. On va ôter le marqueur, pas qu'il nous gêne. Et on va faire une demi-bride sur le brin arrière, là où il y avait le marqueur. Voilà.
Ah, j'ai fait ma première lignée. Donc, normalement, je devrais avoir 21 mailles. Pour moi, pour ma taille 2-3 ans. Vous, si vous faites plus petit, vous aurez moins de mailles. Si vous faites plus grand, vous aurez plus de mailles. On va compter avec la demi-bride, les deux mailles en l'air qui coûtent pour la demi-bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est ça. Donc maintenant, on va travailler en aller-retour. Donc on va faire deux mailles en l'air. On tourne notre travail. Et on va repartir en demi-bride, mais cette fois-ci sur le brin avant, parce qu'on s'est retrouvé sur l'arrière du travail. Pour faire notre petit relief, il va falloir repartir sur le brin avant. Donc voilà, je fais sur le brin avant. Chaque rang arrière se fera sur le brin avant. Donc on fait tout le long de notre ligne. Pour arriver au bout du rang, on rend. Ma dernière maille. Hop. Et là, je fais ma dernière demi-bride dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait au début de notre rang. Donc là. Voilà, on a fait un deuxième rang. Je reprends deux mailles en l'air. Je retourne mon travail à nouveau. Je me retrouve sur l'avant. Encore là, on voit bien la petite relief qu'on a fait là. Petite rainure. Donc je vais continuer en demi-bride sur l'avant, mais cette fois-ci sur le brin arrière. À chaque fois que je serai sur l'avant, je prendrai le brin arrière. Et à chaque fois que je serai sur l'arrière, je prendrai le brin avant. Donc on continue nos demi-brides tout le long. Et la dernière dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait du rang précédent. Je refais pareil, deux mailles en l'air, je tourne mon travail, et là, de nouveau sur le brin avant, parce qu'on se retrouve de nouveau à l'envers, on refait des demi-brides. On va continuer comme ça, faire ses rangs en droit, en vert, tout le long jusqu'à obtenir la longueur voulue. Donc moi je vais faire 39 rangs pour ma taille de 3 ans. Après vous, ça sera peut-être moins ou plus. Pour faire la petite bande, on va faire là, comme celle-ci. Voilà, on va faire la petite bande. Donc on se retrouve après quand on a fini tous ces rangs. On se retrouve à la fin de nos rangs. Je finis le dernier rang. La dernière demi-bride dans les deux mailles en l'air. Voilà. Donc, je vais couper un long fil. Je vais le passer dans ma boucle. Voilà, je serre et voilà. Maintenant, on a fini notre bande. Voilà. Donc, la mienne fait à peu près 27 cm et demi, 27 on va dire, 27 cm à peu près.
pour une taille 2 ans. La vôtre sera peut-être plus petite ou plus grande. Donc la bande là, elle correspond au-dessus et au-dessous du pied. Donc on va la plier en deux, comme ceci. Et on va la coudre là le long. C'est pour ça qu'on a laissé un grand fil. Donc on va retourner notre travail pour se retrouver sur l'envers, pour la coudre à l'envers. Voilà. Voilà. Je vais y mettre quelques petites aiguilles pour la maintenir. Les épingles. Voilà. Je vais prendre une aiguille et je vais commencer à coudre. Donc je vais laisser le petit rebord là qui est à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, pour faire de nouveau une petite bordure comme on a fait avec nos points. Donc je vais commencer, je vais ôter la première aiguille pour qu'elle me gêne. Première épingle, pardon. Et je vais commencer là, au bord. Hein. Et je vais commencer à accrocher comme ceci, à coudre. Donc je prends bien celle-ci, je prends pas laisser l'extérieur. Hein. Et on va coudre tout le long. Donc vous aurez peut-être pas, normalement c'est par maille, mais c'est pas forcément, ce sera peut-être pas forcément une maille par maille, hein. Il y aurait peut-être un petit décalage, ça dépend. Et là, je vais arriver au bout. Voilà. Maintenant, on va faire une couture tout le long là. Mais on va s'arrêter un petit peu avant. On va s'arrêter par là, à peu près. Donc, on y va. Moi, je fais une petite couture comme ça. Vous pouvez faire une couture invisible. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai laissé le petit bout là. Et là, c'est pour faire un petit peu un arrondi. Donc, je vais simplement faire comme ça. Passer mon fil comme ça. Le bord, je
Voilà. Et je vais tirer. Comme ça, ça me fait un bout arrondi et non pas carré. Voilà. Je vais refermer comme il faut. Faire quelques petits points. Voilà. Je vais faire un petit nœud. Un, deux. Bien le maintenir. Serre bien, pas que ça gêne. Et je vais rentrer mon fil et le couper. Je le rentre bien parce que comme on va marcher avec, il faut quand même que ce soit qui se sauve. Voilà. Et je le coupe. Maintenant, on va coudre la deuxième partie là. Donc on refait pareil. Et arrivé au bout, donc on refera pareil. Donc on se retrouve quand on a fini. Donc j'ai fini pratiquement ma couture. J'ai accroché un fil là au bout. J'ai fait ma petite couture comme tout à l'heure. Là, j'ai laissé un petit trou pour refaire un petit arrondi. Voilà. Je vais finir. Là, je resserre. Petit aller-retour. Voilà, je vais faire un petit nœud. Deuxième. Je serre bien et je rentre mon fil. Voilà. Je coupe. Et notre chausson est pratiquement fini. Donc je vais le remettre à l'endroit. On a fait notre petite couture qui se trouvera au-dessus de notre talon. Et voilà. Le derrière et le devant. Donc on va faire la petite décoration de la chaussette. Pour moi j'ai fait un petit lapin, donc je vous montre comment faire le petit lapin. Mais vous pouvez faire autre chose, hein, un ours, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Donc on va commencer par faire le petit tête, la petite tête, le petit cercle, puis après les oreilles. Donc je vous montre. Je prends ma laine blanche, mon crochet numéro 3 toujours, et je vais faire un cercle magique. Donc j'enroule mon fil autour de mon doigt. Je le croise là
Celui-là, je le desserre. Je passe mon fil, mon crochet dessous. Je vais chercher le fil là. Je le tire à travers. Voilà, je tourne un petit peu et je fais une maille en l'air. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc, une. Deux. Et je serre avec la petite boucle là, je serre. Voilà. Maintenant, on va faire des augmentations. Alors, dans la première maille qu'on a fait, donc là, on va faire 2 mailles serrées, donc une augmentation. Alors, une maille, je mets mon petit repère. Et je refais une maille dans la même maille. Ce qui me fait une augmentation. On va en faire 6 comme ça. Encore une augmentation dans la maille suivante. Une augmentation dans la maille suivante. Une augmentation dans la maille suivante. Augmentation dans la maille suivante et une augmentation dans la dernière maille. Ce qui fait qu'on a 12 mailles. Maintenant, je retire mon petit repère. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée. Et une seule. Je remets mon petit mur pour le père. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Dans la maille suivante, une seule maille. Dans la maille suivante, une augmentation. Et ainsi de suite. Donc, une maille toute seule, une augmentation, une maille toute seule, une augmentation, jusqu'à la fin, et on aura 18 mailles. À tout de suite. On a fini notre troisième rang. On a 18 mailles. Maintenant, on attaque le quatrième rang. On va faire 2 mailles serrées. Donc, la première. Je mets mon petit marqueur. La deuxième, une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation. Et ce tout le long, on se retrouve après. On a fini notre quatrième rang, on a 24 mailles, on va faire le cinquième et le dernier rang. Donc là, on fait une maille serrée. Je mets mon petit marqueur. 2 mailles serrées. Une troisième maille serrée. Et une augmentation. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et ce, tout le long jusqu'au bout. À tout de suite. On a fini notre dernier rang. On va faire une maille coulée. Dans la première maille, pour finir, hop, et on va couper le fil en laissant un petit fil
assez long pour pouvoir coudre la petite tête. Voilà. Donc on va mettre notre petite tête de côté. On va faire la petite oreille. Donc pour la petite oreille, on va faire 4 mailles serrées dans un cercle magique. Donc comme tout à l'heure, je prends, je croise, je monte au-dessus, je serre un petit peu. Voilà. Alors, une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées et la quatrième. Et je serre. Donc, dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc déjà une maille serrée, je mets mon petit marqueur. Encore une maille serrée dans la même maille pour faire mon augmentation. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Dans la maille suivante, dans la dernière, une maille serrée. Donc là, on a 6 mailles. On va faire le troisième rang. On va refaire une augmentation. On va pas se tromper, hein. Alors une, ma deuxième augmentation, enfin mon augmentation, on va faire deux mailles serrées, une, deux, une augmentation. Et à nouveau deux mailles serrées. Alors j'accroche un petit peu. Une, deux. Donc là on a 8 mailles. On retourne un petit peu, voilà. Une petite oreille commence à prendre forme. Au rang suivant, on va faire dans la première maille une augmentation. On met notre petit marqueur. On va faire 3 mailles serrées. Une augmentation. Trois mailles serrées. Voilà, on en a fini avec nos augmentations. Donc on a 10 mailles serrées. Maintenant, on va faire 7 rangs sur ces 10 mailles serrées. Donc on commence le premier rang. Une, petit marqueur toujours. Deux, trois, quatre, cinq, six. Neuf,
10. Donc on a déjà fait un rang, donc il nous en reste encore 6. Donc on se retrouve après la totalité des 7 rangs de 10 mailles serrées. À tout de suite. On a fait notre dernier rang, donc 7 rangs. Je retourne mon petit marqueur, je vais faire une petite maille coulée. Voilà, je vais couper mon fil, pas trop grand parce qu'on va le rentrer. Voilà, je tire, hop, et on va le rentrer là. Donc on va faire une deuxième petite oreille comme ça. Je vous laisse la faire. Donc on va faire le rose de notre petite oreille là. Vous pouvez le faire d'une autre couleur, hein. Donc j'ai pris une aiguille Allen. J'ai pris un bout de fil que j'ai doublé. Je vais y faire un petit nœud. Voilà. Et je vais le rentrer dans l'oreille pour ressortir un petit peu avant la pointe. Voilà. Je vais me mettre à peu près par là. Je remonte là où j'ai passé mon fil la première fois, toujours au même endroit. Je positionne mon fil comme il faut. Je vais faire pareil à côté. Voilà. Je repasse dedans. À côté. J'essaie de positionner à peu près comme il faut mon fil. Je repasse dedans. Je vais ressortir un peu par là. Faire un petit coup. Voilà, je vais sortir mon fil par là. Je vais tirer un petit peu sur mon oreille, qu'elle se positionne bien. Voilà. Là, je vais couper mon fil. Je vais faire un petit nœud. Je vais rentrer mon fil. Je vais couper un petit peu parce qu'il est encore un petit peu grand. Et je rentre mon fil à l'intérieur de l'oreille. Voilà. On a mis deux petites oreilles. Maintenant, on va faire les petits yeux. Donc, je prends toujours ma petite aiguille Allen, du fil noir. Je vais passer mon fil dans mon aiguille, hop, j'y ai fait un petit nœud mais je vais le doubler. Voilà, hop. Donc on va faire des petits yeux, on va se prendre à peu près par là. Faire pareil de l'autre côté.
Voilà nos deux petits yeux. Derrière, je coupe mon fil. Je lui fais un petit nœud. Hop, je coupe ce qui est trop grand. On va faire maintenant le petit nez. Alors, j'ai pris du fil rouge, je l'ai doublé. Déjà. Moi, j'ai pris du fil rouge, mais vous prenez le fil que vous voulez, hein. À la laine. Voilà, le petit nez est fait. Je vais y faire un petit nœud. Un petit peu, ça me gêne un peu. Voilà. Maintenant, on va coudre sur notre chaussure. Donc, on positionne. On y met nos petites épingles. Pas trop mal. Donc on reprend le fil blanc qu'on avait laissé. Toujours notre aiguille. Et on est parti pour la petite couture. Donc là, je vais faire comme ça. Donc on fait attention de ne pas coudre notre petite comment, de l'autre côté, hein. Qu'on couche de ce côté et de l'autre côté, hein. Donc pour ça je vais glisser un petit carton ou un petit, hop, je vais prendre un petit carton que je vais glisser, comme ça je suis sûre de pas coudre. Voilà. Donc je vais reprendre ma couture. Hop. Alors vous faites des coutures, la couture que vous voulez, moi je la fais comme ça. Un genre de petit point arrière, que ça ne soit pas trop. Si on voit bien, arrivé ici. On va prendre notre petite oreille. On en a perdu. Pourquoi elle était mal tenue? On va la remettre.
je pique dans mon oreille en même temps. Là, c'est un peu plus compliqué parce que je pique dans l'oreille, dans la chaussette et dans la tête. Je vais y faire un petit nœud. Hop. Un deuxième, ça se verra pas. Hop. Je rentre mon fil. Petit lapin. Maintenant, moi, j'ai rajouté une petite semelle pour que ce soit un petit peu anti-glisse. Donc, je l'ai découpé une petite semelle. J'ai pris le modèle sur une chaussure, petite chaussure. J'ai coupé autour, voilà. Donc, j'ai pris une semelle comme ça avec des petits trous. Et moi, comme c'est plus petit, comme c'est une taille 3 ans, 2-3 ans, donc je le mets. J'en fais deux dans une, mais vous en ferez peut-être qu'une dans une. Hein. Tout dépend de la taille que vous faites. Donc je la fixe dans le derrière de ma chaussure. Voilà le devant, je la fixe derrière. Hop, à peu près comme ça. Voilà. J'ai pris du fil que j'ai doublé. Vous prenez la couleur de fil que vous voulez. Et on est parti. Donc vous pouvez là, comment ? L'épingler si vous voulez. Moi, je ne veux pas l'épingler. Je rectifierai au fur et à mesure s'il faut. Et je me sers des petits points pour faire mes petites... pour passer mon fil. Voilà. Donc, je vais faire autrement. Pour ne pas être embêté avec le nœud, je vais faire comme ça. Je vais laisser. Je n'ai pas fait de nœud. Je rentrerai mon fil après. Voilà. Je fais comme ça. Alors quand il n'y a pas de petits points, ben on traverse, hein, ça va plus vite. Voilà. On se retrouve après. Voilà, notre chausson est terminé. Donc on a mis notre semelle. Je vais rentrer les fils. Donc on n'a plus qu'à faire le deuxième chausson à l'identique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé ma petite vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.